Bonjour mes amis, c'est JP encore une fois avec vous aujourd'hui. Je vais vous montrer une nouvelle session de trading de ma part sur la plateforme Pocket Option. Je vous invite à cliquer, aller dans les commentaires et à vous abonner sur ma chaîne YouTube, également à mon compte Telegram, et vous avez la possibilité d'ouvrir un compte démo gratuit pour essayer de suivre tous mes conseils. Donc je vous dis à tout de suite. 576 dollars, c'est bon, voilà. On a bien suivi la tendance du marché. Ok, donc là, nous sommes sur un indicateur en zigzag. Donc, comme vous pouvez le voir, il nous indique que cela risque de continuer. Cette tendance vers le bas va continuer. C'est pour ça que là, mon montant de 300 dollars, j'ai pris une option d'achat vers la baisse. Donc, également, si on bat, on peut voir que notre indicateur nous donne aussi les mêmes données que la tendance du marché va suivre, qu'elle va continuer à la baisse. Donc c'est pour ça que c'est ce que j'ai fait, donc j'ai pris une option d'achat à la vente. Donc qu'est-ce qui va se passer, on est en train de voir, pour l'instant tout est ok, même si là il y a eu un petit rebond, mais je pense que cela va continuer de la même manière. On est assez, là je pense que c'est assez, ça va être assez bon, tout à fait. Donc l'échéance de temps était d'une minute, elle va se terminer bientôt, et à 99% je suis sûr que là notre deal va être conclu. Voilà, c'est bon, c'est fait, 576 dollars de gagner sur les 300. Ok, là comme on peut voir aussi, cette tendance à la baisse continue. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, encore une fois, je vais faire un put et prendre une option d'achat à la baisse. On est sur la devise euro CAD. Donc est-ce que cela va être le cas? Ouh là, c'est un peu chaud. Je dois avouer que il y a là. Pour l'instant, c'est très très serré. Il y a un fort mouvement de résistance. On peut voir que les acheteurs, enfin, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Est-ce que ça va être le cas? J'ai certains doutes, mais notre indicateur en zigzag continuait que cette tendance devait continuer. Donc pour l'instant c'est bien le cas, mais j'avoue que j'ai eu des sueurs froides là. Enfin, toujours en train de les avoir. Ça risque d'être tendu, mais c'est bon. Voilà, ça, notre ce qu'on va continuer. Donc, ce que je continue de faire, c'est que encore une fois, j'ai pris une option d'achat à la vente. Pourquoi? Bah, parce qu'encore une fois, nos indicateurs nous montrent que après la tendance qu'il y a eu, qui était à forte hausse, même s'il y a eu un moment de stagnation où on n'était pas sûr où allait aller le marché, comme on peut voir avec ces chandelles qui sont en rouge et qui se suivent rouge et vert. Donc là, vaut mieux éviter de faire quoi que ce soit. Il vaut mieux attendre que les tendances soient bien claires et précises. Comme c'est le cas maintenant, pour l'instant, il n'y a pas de rebond, il n'y a pas d'acheteur. Et donc là, voilà, bah là, je suis sûr et certain que notre deal va être bénéfique. Nous allons avoir un profit de 460 dollars sur les 500 dollars que nous avons engagé. Donc c'est plutôt bon signe. Voilà, bingo, c'est ce que je vous avais dit. On a bien suivi la tendance du marché et on a bien choisi le temps. Et voilà, encore une fois, là, non, on a été gagnant. On voit une autre tendance. On voit que la tendance du marché est à la hausse. Donc c'est pour ça qu'on va prendre un call cette fois-ci. Pourquoi? Encore une fois, bah, comme on peut voir précédemment, notre indicateur en zigzag a bien suivi. Enfin, il était bien à la baisse et que là, il est en train de remonter. Et que donc, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait un nouveau changement de direction de notre indicateur. En plus, là, ici, tout en bas, tous les indicateurs nous montrent que la tendance est à la hausse. Donc là, je suis très très serein. Je pense que... Ouais, non, je suis fort serein, même s'il y a eu un petit moment là de doute. Non, il n'y a aucun problème. Là, encore une fois, la tendance va être à la hausse et que d'ici la fin de l'échéance, nous allons remonter et que nous allons avoir un deal concluant. Donc, est-ce que ça va être bien le cas? Attendons de voir le résultat. Je pensais que ça allait être un petit peu plus simple, mais bon, finalement, non, ça a été gagnant. Je suis content de moi, voilà, 900 dollars de fait. Donc, très, c'est pour ça que j'ai pris donc cette option d'achat à la baisse. Nous voyons bien que qu'est-ce qui va se passer, c'est que bah, normalement, en fait, l'indicateur d'en bas nous montre qu'il y a plus de ventes que d'achats. Donc
normalement, cela devrait se continuer. Également ici, on peut voir que cette ligne, c'est pas une courbe, ce graphique en zigzag a atteint un sommet et que par la suite, maintenant, il va redescendre. Donc c'est pour ça que j'avais pris cette option d'achat à la vente. Également, la chandelle ici rouge laissait envisager que cela va être bien le cas, même si pour l'instant, c'est un petit peu chaud, je l'avoue, mais non, c'est bon, là, je pense que tout est OK. Donc voilà, ça repart en rouge, ce qui est bon signe pour nous. Et comme je vous le disais, bah voilà, 1920 $ qui ont été faits et qui sont à la baisse. On peut avoir de très très bons résultats. Je vous invite donc à liker, à cliquer sur aimer sur cette vidéo, à vous inscrire sur ma chaîne YouTube et également à me rejoindre sur ma chaîne Telegram. Si vous le voulez, vous pouvez également ouvrir un compte démo gratuit sur la plateforme Pocket Option. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles sessions de trading qui, j'espère, seront également bénéfiques pour nous. Merci.